Salut les passionnés et bienvenue à Montrillon, exactement au Trial 4x4. On va te faire un petit aperçu de cette journée qui s'annonce déjà ensoleillée parce qu'en fait il ne pleut jamais en Haute-Savoie, c'est un des départements les plus secs du monde. Toi je crois que t'aimes bien le 4x4, non? Un petit peu. Ça va toi? T'as vu, c'est international, il y a un Espagnol qui se promène avec une caméra, je pense qu'il fait un reportage. Toyotas et modificados. Mais c'est toujours les mêmes têtes qu'on retrouve, c'est bizarre. Ouais, elles font leur prémarque. Gros clou. Ça va bien? Yes. Derrière, derrière. J'ai l'impression que j'ai vu trois marches arrière. Plaisir, il l'a fini. Quand bah bien sûr. Est-ce qu'on serait pas un peu dans la merde, les mecs, là? Oh, faut s'amuser. Alors, regarde, il y a Cotrial 4x4 où tu vois ça, une fuite de pare-brise. On est bien, là, hein? Bah oui, toujours. On aime bien le 4x4. On aime descendre, là, non? Et bonjour, salut. Ça va bien? Ça va bien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est coincé. T'es coincé? Oui. Oh, bah merde. Oh, bah merde, alors. T'es content, quand même? Oh, non. T'es tout seul à la buvette? Ouais. Merde. Je vais y arriver normalement. J'ai l'impression qu'il a frotté légèrement. Je pense que c'était une petite branche. Zone prototype, regarde. Oh. On va faire une spéciale proto aujourd'hui. Quand tu passes en tout premier, tu te tapes tous les défauts, toutes les difficultés. Quand t'es dans la manœuvre et que tu touches le piqué une fois, ça va pas se cumuler. Si tu recules et que tu retouches, ça se cumule. C'est toi qui as fait ce parcours? Oui. Mais t'es un vrai salopard. Non. Avec lui là-bas. C'est à cause de toi, ça. Bien joué, Patrick. Patrick aussi, il est pas sympa. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Putain, c'était chaud, là. Ah, c'est dur. Voilà la grosse difficulté, c'est tornir à la con, j'ai envie de dire. Ouais, une fois que t'avais les essieux calés, t'avais beau faire tout travailler. Puis après la marche arrière et puis ouais. C'est la fête. Ouais, bien sûr. Et c'est bien, le frangin, il va pouvoir éviter de faire la même, c'est ça? C'est ça, il copie. Apparemment, il y en a d'autres qui font de la mécanique. Merde. Ah ouais, c'est pas de bol. J'ai entendu merde, alors bouge pas, tu vas être sur la vidéo. Putain, non, pas encore. Ça va, t'es contente? Ah super, ouais, je suis ravie. Et y a quelqu'un en dessous? Ouais. T'aimes bien le 4x4 ou c'est chiant? Bah moi je suis venu en spectateur mais je me suis fait embaucher pour finir. Ouais, on peut dire on s'est fait baiser aussi, ça marche. Je sais pas s'il y a un code éthique au trial 4x4. Peut-être qu'on peut pas dire baiser non plus. Passage obligé, décrotage de la roue. Et là tu la changes pourquoi? Elle est crevée. Ah putain oui! Mais regarde. Est-ce que t'as un profil particulier par rapport à un terrain particulier ou t'es avec les mêmes pneus tu fais la même chose? Non, on fait tout pareil partout. Ouais, effectivement. Un peu moins de chance pour Edouard. Je suis avec Magali, compagne de Charles et copilote surtout. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du trial 4x4, Magali? Avec Charles, ça fait depuis 2018 et puis sinon depuis 2008. Depuis 2008, toujours en tant que copilote? Copilote, ouais. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait de copiloter et pas piloter peut-être? J'aime bien accompagner. Tu te vois pas toi conduire Pas un proto en tout cas. Ouais, parce que ça c'est un peu le bordel, toutes ces manettes, tout ça, c'est compliqué. Pourquoi le 4x4 trial? Très souvent c'était les papas, c'était les frangins, tout ça. C'est ça. Papa, le frangin, après le copain et puis voilà. Question con, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi à côté de ça? Je suis coiffeuse. Comme quoi, on peut venir de n'importe où, ça marche. Thank you.
Bon Charles, parle-nous un peu de toi. C'est Magali, nous a raconté un petit peu son parcours. Depuis tout petit, on est dans les triades déjà. Donc depuis 1992. Puis au fur et à mesure, on a accompagné, on a rigolé, on a vu un peu comment ça se passait. Puis dès qu'on a eu le permis, c'est parti quoi. On s'est lancé dessus. Ouais. T'as commencé comment alors? Alors en super série avec le frère qui faisait copilote. On a fait nos preuves. Il y a 5 ans maintenant, on a eu l'opportunité d'acheter un prototype. On s'est lancé, on a fait une saison comme ça. Et après on a fait double équipage sur le même véhicule pendant Covid. Ouais, on s'emmerdait un petit peu. Et si on faisait un proto? Du coup on a refait un deuxième proto. Ouais. Et combien d'heures de travail pour sortir un proto? En 2000 heures je pense. 2000 heures? Des week-ends, des nuits, et des vacances. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le proto? C'est complètement différent. Après, le proto, faut le prendre en main. Et puis après, les limites, c'est pas forcément la voiture qui les met, c'est un peu nous. Quoi. J'ai cru voir que le frangin avait béné. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être mauvaise trajectoire, un peu plus mauvais, je sais pas. Bien joué de charger le frangin, j'aurais fait pareil. Oh, il y a un moment câlin. Attends, je... Explique-nous, c'est quoi cette base de prototype? Parce qu'on ne connaît que dalle. C'est de la ferraille chez fournisseur, c'est des tubes et puis de la soudure. Artisanal quoi, c'est pas parti sur un châssis. Oh, c'est de la folie. Il y a un moteur de Toyota KZ 3 litres. Ouais. Et des ponts du Nimog. On a 4 vérins indépendants chaque roue, qui est le distributeur qui est là. Donc là, c'est les 4 vérins indépendants pour les suspensions. La direction arrière, parce que tu peux effectivement avoir... Voilà, il y a 4 roues directrices. Donc ça, c'est les blocages des ponts pour avant, pour arrière. Et puis ici, on a les freins séparés sur chaque roue. Là, aux petites manoles que tu as? Exactement. Je vois des petits manomètres de température. Ouais, c'est ça. Il ouais, y a la pression d'huile quand on est sur le côté qui nous dit qu'il faut arrêter de jardiner avec le moteur. D'accord. Après, température d'huile. Et puis là, il y a la température d'eau. D'accord. Quand tout est rouge, ça veut dire quoi? Parce que j'ai vu que tout était en sapin de Noël tout à l'heure. Non, le rouge, c'est une belle couleur. C'est pour ça qu'elle s'allume rouge. Ah, d'accord. C'est tout. C'est juste esthétique. C'est pas que ça craint. Parce que je me disais, oh, il est en train de le mettre en PLS. Je sais que ça marche encore. Bon, on est content de la journée. La pesée, ça va passer parmi vous. Ça a été un patron. Pourquoi il a pas pris assez de risques, c'est ça? Non, on est dans les choux. Après, il faut se comparer aux autres. Un moteur, préparation particulière. Moteur d'origine avec la pompe un peu plus diesel et puis turbo un peu plus gonflé, mais il faut juste un peu plus de couple. Voilà, exactement. En termes d'hydraulique, t'as intérêt à t'y connaître un petit peu, non? Oui, après on a beaucoup de connaissances, des gens qui nous aident. Patrice Martin, on peut le remercier en tout cas. Toi, tu fais quoi dans la vie justement? Moi, j'ai rien à voir avec la mécanique, je suis paysagiste. Tu vois, on nous parlait des freins séparés tout à l'heure, regarde. C'est ça qui te permet de réduire complètement ton rayon de braquage. En gros, là. C'est discussion pour la prochaine, là? C'est stratégie, là. Tu vois, même quand t'es à la fin, ça reste compliqué. On est avec Edouard et Amandine qui vont envoyer aussi.
Ouais, surveille jusqu'au dernier moment, en fin de compte, de pas toucher les piquets, ça serait con de te le taper en sortie de zone. Et là, on reconnaît la star de la précédente vidéo. Coucou! Rémi, organisation aujourd'hui, quoi, du week-end? On a combien de personnes aujourd'hui, Rémi? Samedi, on a 67 participants. Demain, en espérant encore 5-6 participants de plus. D'accord. Pour dire de bien faire le week-end et on aura un bel événement. Petite soirée DJ ce soir. Et oh, puis, sympa! Avec la petite tartiflette géante de nos cuisiniers. Excellent. Bonne équipe et un speaker cette année. C'est la première fois que je vois un speaker sur un 4x4 triel. Là, donc... qui permet de bien animer le ouais. week-end. On compte sur toi pour venir sur les prochaines sessions ici à Montrillon parce que ça déchire grave. On a dit donc... DJ maintenant. Et bientôt les gens ils iront plus à Ibiza, ils iront à Montrillon. Bon, tu pourrais avoir l'impression en fait que l'utilité du singe ici ne sert à rien, mais en fin de compte il vient mettre la petite pression qui va manquer pour mettre un peu de grip, un peu d'angle, un peu de ce qu'il faut. Donc là tu as la mise en place qui est hyper importante parce que ça va définir si tu vas avoir besoin de faire des marches arrière ou pas pour les prochains trucs. En commentaire, quel Twingo tu préfères et abonne-toi. C'est bon, t'as, tu fais quoi? Amandine, t'as 2 minutes pour nous. Mais oui. T'as commencé quand toi? Mais moi, en fait, j'ai toujours baigné dans le 4x4 moi. Aussi. C'est, ouais, c'est ah mon ouais. papa moi qui faisait les UFOLEP, les championnats de France. Je l'ai accompagné tout ça et après c'est mon frère qui a repris le flambeau. Donc lui, il roule aussi en proto mais les championnats de France. Il fait pas les franco-suisses. Et j'ai rencontré les jumeaux au championnat de France. Tu copilotes, tu ne pilotes pas? Non, moi je copilote Edouard du coup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie si c'est pas indiscret? Parce que on voit les horizons sont complètement différents. Ouais, moi je suis auxiliaire de polyculture, je travaille en crèche. C'est énorme. Non mais c'est cool. Bon, ça fait pas toujours, hein. Comme tu l'as compris, c'est pas le plus rapide, mais en tout cas, c'est le plus technique. Et puis la moindre petite erreur, tu vois, 1 cm, ça te fait perdre l'équilibre. C'est renversant par là, hein. Bon, j'ai l'impression que mon rayon, c'est un peu compliqué. Un peu, ouais, c'est renversant. Là, on profite malheureusement qu'il soit baigné pour te montrer un peu toutes les protections que tu peux trouver sous le châssis. C'est juste hallucinant. T'as de la plaque de partout, de renfort, toute la partie transmission. Donc avec l'arbre de transmission qui est caché derrière. Et là, tu vois, on voit aucune gaine, rien du tout. Tout est ficelé de telle manière à pas laisser une seule prise pour pas que s'il y a une branche ou quoi que ce soit, ça se fasse ravager. Amandine, quand tu bends comme ça, ça équivaut à un échec ou t'as le droit de... Non, c'est échec. Ah merde, bon, c'est ouais. 25 points par contre. C'est ça. C'est pas cher payé non plus. Non, et puis ils prennent... Il y a 3 manches. Ouais. Et après, ils prennent les 2 meilleurs. Donc on peut se rattraper sur le reste du week-end encore. Ok. Mais en fait, là, il y a le parcours de cet après-midi. Après, il ouais. y aura le parcours de demain matin, demain après-midi. D'accord. Ils prennent les 2 meilleures manches. Sinon, toi, ça te plaît le 4x4 ou pas? Adieu! On vient prendre des photos? Bah, comme d'hab, hein. Mais où ton 4x4? Vu que t'es pas toujours là, il est juste là-bas. Le Marsupial.
question. Oui. Là, il n'est pas passé dans l'obstacle. Échec. Échec. Donc, échec à la zone, c'est 25 si tu ne passes pas un obstacle. Oui. Donc, autant s'arrêter. De toute façon, c'est pareil. Le 4x4, monsieur. J'adore. Et j'aime bien les protos parce que j'en ai fait une époque. Raison d'arrêter. Il y a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans. Oh, ça devait être autre chose. Hein. Donc un peu de nostalgie ou. Oui. Ah. Et puis du plaisir à regarder. Ah, bah c'est clair. Est-ce que tu vois le nombre de personnes qui filment? Alors, la pression des pneus, vous les mettez à combien? Il n'y en a pas. Sérieux? Non, on met 150 grammes, 200 grammes. C'est vraiment histoire que le pneu il épuise la jante et ça motrice mieux comme ça en fait. Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. C'est moins t'es gonflé, c'est un peu comme les voitures de course quoi. Exactement. Plus t'es bas, plus tu colles. Quoi. C'est ça. Tu les gonfles à la bouche? Qui a merdé toi justement tout à l'heure à ton passage? Peut-être pris trop. T'as pris trop haut, du coup un peu trop d'angle. Et... Je voulais bien faire pour pas écraser, mais du coup ouais. Une question, parce que je vois que dans certains protos il y a des singes et que vos dames n'ont donc ne singent pas. Une volonté de notre part, une sécurité. Ouais, ça paraît cohérent. Budget pour un proto, c'est combien pour une saison? En achetant le véhicule. Ouais. Il n'y a pas de budget, c'est. Construction d'un proto, c'est entre 30 et 40 000 euros. D'accord. Sans compter les heures. Donc tu l'entends, si tu veux te lancer dans le proto, c'est minimum un ticket à, on va dire, 50-60K si jamais tu n'avais pas bricoleur. Parce qu'effectivement, c'est des bêtes de course. Tu vois que tu peux absolument tout faire avec, tout articuler, tout faire tourner, tout freiner, c'est de la folie. Point, putain, c'est super ça. Bon bah là ça a bien été. Ouais, ça va. Que trois petits points. Ouais. Thank you.
que ça vous plaît, ces messieurs? Bien sûr. C'est impressionnant quand même, hein? Bon, et vous, les enfants, vous aimez bien? Oui, parce que mon père, il fait le trial. Ah, bon. C'est juste pas mal quand même, hein? Attends, on est en train de fumer. Jean-Christophe à la chiasse, on le mettra, c'est pas important. Des futurs petits trialistes. Ça va, on s'amuse bien? Ouais, trop bien. Donc j'espère que la journée, on est bien avec Charles, Edouard, Amandine et bon Magali, courage, t'aura bien plu. C'était vraiment très sympa cette journée spéciale photo. Tu comprends un petit peu mieux le fonctionnement et surtout la technicité de cette discipline. Parce que c'est vraiment pas simple, on a vu. Le moindre truc tu bennes, c'est vraiment hyper, hyper compliqué. Le numéro 161 qui va tenter de passer sous Terrier. Sous les yeux de notre caméraman. On t'avait dit cette année, attention, le speaker, le speaker. Ça va, ça se passe comme tu veux? Ouais, toi aussi? Bah ouais, t'es la voix de mon rayon aujourd'hui. Ah, la voix de mon trion. Oh putain, la classe. T'aimes bien faire des photos, toi? Je crois que j'aime bien faire des photos. Mais vous êtes partout! Incroyable! Qu'est-ce qu'on mange de bon ici? Tartiflette! C'est pas tout de faire les fous, mais il faut bien manger. On vous a pas trop vu dans les 4x4 là? Si, on y était, mais le problème c'est qu'on vous a pas vu. C'est ceux qui ont fait débarrer le trial de Montrion là. Oh, sérieux? C'est vous? Alors il y a combien de temps que vous avez fait débuter ça? Quelle année? Ah, 90 à peu près, ouais. Ah ouais, ça commence à faire des années maintenant. Hein. Nous ou le trial? Non, le trial, je me serais pas permis, tu rigoles ou quoi? T'as raison, dis pas bonjour la star. Ça va toi? On va boire un coup, il paraît? Ouais. Là, on peut dire on va boire un coup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin de la vidéo? Le trial, toujours un plaisir donc, de regarder nos anciens collègues, camarades, et les nouveaux, et surtout les nouvelles mécaniques.